Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette très courte vidéo puisqu'en effet elle est surtout dédiée pour vous donner déjà quelques nouvelles, vous faire part un petit peu de l'évolution de ce qui va se passer dans les prochains jours et surtout pour vous parler de quelque chose qui vient de me gonfler royalement. Donc je vais essayer d'employer des mots pour pas pour que vous puissiez comprendre les choses mais sans que bref, vous allez comprendre. Il y a quelques jours en arrière, je vous ai fait une vidéo sur les énergies à venir concernant une certaine maladie actuelle et concernant une certaine piquouse actuelle, sujet qui fait fort débat entre ceux qui le sont, ceux qui ne le sont pas. Voilà. J'espère que c'est assez explicite, hein, vous allez comprendre. Et ce matin, donc nous sommes le dimanche 18 juillet, je viens de recevoir une notification de YouTube pour me dire que cette vidéo était effacée, ils l'ont volontairement effacée, enfin censurée serait le mot le plus exact, hein, voilà, puis pour non-respect, alors attendez, comment ils m'ont écrit ça, je vous l'ai mis dans l'onglet communauté. Je vous ai mis la photo de la capture d'écran parce que franchement ça vaut le coup d'œil quand même. Alors je vais vous lire le truc, voilà. Donc interdit les contenus qui contredisent le consensus des experts d'autorité sanitaire locale ou de l'Organisation mondiale de la santé au sujet du de la piquouse contre la maladie actuelle. Voilà, je vais pas vous citer les mots parce que je vais encore être censuré. Les amis, franchement je suis, alors là j'en rigole mais croyez-moi c'est plutôt un rire jaune parce que en 3 ans que j'ai la chaîne, c'est quand même la toute première fois que je me fais censurer. Et là, je suis sincèrement outré parce que si ça, ce n'est pas une preuve flagrante de censure, de répression des libertés d'expression et de liberté surtout de penser et d'être qui nous sommes, moi, il faut quand même qu'on m'explique. Parce que ma vidéo, je l'ai vue, je l'ai revue. Vous savez en plus que je pèse tous mes mots avant de parler. À aucun moment, j'ai manqué de respect envers qui que ce soit puisque je disais bien au contraire de bien respecter ceux qui le sont, ceux qui ne le sont pas, etc., etc. Que chacun était face à ses choix et à ses libertés par rapport à ce qui se passait en ce moment. Et vraiment, j'ai été outré. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, je voulais partager sur les réseaux sociaux et un petit peu partout. Donc, voilà. Donc, ne cherchez plus cette vidéo. Elle a été supprimée. Ce n'est pas moi qui l'ai enlevée. Hein. Moi, je pensais même avoir été plus qu'honnête puisque j'avais même enlevé la monétisation. Comme ça, il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Et ben, si, visiblement ma vidéo fait encore problème. Bah vous m'excusez mais quand on efface du contenu qui dit quand même une certaine forme de vérité et qu'on l'efface, bah je sais pas comment vous appelez ça, moi j'appelle ça une forme de dictature. Voilà, bon. Parenthèse fermée, maintenant qu'est-ce qui va se produire pour la suite? Bon on va continuer. Donc sachez que le 31 juillet marquera la fin officielle de mon travail. Voilà, ça y est, on y est, je vous l'ai dit. Donc bah ça aussi ça me fait pas vraiment rire parce que bah je me retrouvais d'une part sans emploi, mais c'est base de sans emploi, c'est surtout l'aspect financier qui me fait peur en fait, parce que maintenant j'ai plus que ma chaîne, j'ai plus que vous pour vivre, donc il va falloir vraiment que je me développe et j'ai que le mois d'août pour le faire. Donc comment vous dire que je suis un petit peu stressé, voyez-vous. Mais bon, je vais essayer de trouver des solutions et puis l'avantage c'est que je vais vraiment pouvoir réinvestir ma chaîne à temps plein, je vais pouvoir me consacrer à vous, comme je l'ai dit, j'ai réouvert aussi les consultations privées, etc., etc. Et je me suis même lancé aussi dans la réédition de l'oracle L'œil dans le noir. Alors pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez de quoi je parle. Ça m'a pris comme une envie de pisser. C'est pas forcément la situation qui a fait que, mais c'est une envie en fait. Comme vous le savez, je passe en ce moment par une phase d'éveil spirituel, de compréhension, etc., etc. Et je sais pas, j'avais envie de refaire en fait
j'essaierais de reprendre mes dessins, tout ça, et de faire un jeu qui me ressemblerait totalement à 100%. Et du coup, j'en ai profité pour reprendre mes dessins, de refaire un peu certaines couleurs, corriger certains petits détails. Alors des détails que vous ne voyez pas, mais que moi je vois et que moi je sais. Et étant perfectionniste de nature, voyez-vous, ça m'empêchait vraiment de dormir, de savoir qu'il y avait ce genre de petits détails. Donc voilà. Donc je vous ai préparé un futur oracle qui est nommé tout simplement le Joracle. Jo apostrophe racle. Jo pour Jonathan et qui fait la liaison avec le mot oracle, tout simplement. Et pour ceux qui me suivent, hein, pareil, je vous ai mis les photos aussi dans l'onglet communauté et sur mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller voir. Je me suis inspiré d'un oracle, le tout premier hein, d'ailleurs, qui m'a fait devenir qui je suis aujourd'hui, à savoir les cartes de clos. Donc je me suis inspiré de ce jeu pour faire la base de mon oracle. J'ai aussi supprimé certaines cartes comme la carte du phallus, etc. parce que je sais qu'il y en a certains qui étaient un petit peu gênés par cette carte, même si en soi il n'y a pas de quoi être gêné, mais je peux comprendre que certains étaient gênés, donc du coup celle-ci j'ai pris la décision de la supprimer. On ne trouvera plus aussi les cartes consultants, vous savez, la femme blonde, brune, rouge, et pareil pour l'homme blond, brun et rouge, cela on ne les trouvera plus, puisqu'à la place j'ai décidé d'enlever tout ce qui pouvait représenter une forme de binéralité, je sais pas si ça se dit, binéarité. non pas pour prôner un mouvement quel qu'il soit, parce que vous savez déjà que je suis tolérant de base envers tout le monde, donc c'est pas du tout pour me lancer dans un mouvement spécifique. Non, c'est juste en fait que j'ai réalisé que je préférais en fait mettre des formes de caractère, des personnages, des archétypes de caractère qui du coup peuvent coller absolument à n'importe qui, autant une femme, un homme, peu importe. Et du coup il n'y a pas besoin en fait d'avoir l'indication dans un tirage que ça soit une femme ou un homme, mais il suffit par contre de faire un portrait en disant là avec telle carte je peux te dire que c'est une personne qui est comme ceci, comme cela, nanana, et tout de suite vous voyez de qui il s'agit, que ce soit homme ou femme, que parfois le fait de mettre des consultants dans les tirages ça peut prêter un petit peu à confusion parce que ça va vous diriger, enfin votre vision va être dirigée vers quelqu'un de spécifique qui ne sera pas forcément la personne en question, vous voyez. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé toute forme de sexualité dans le futur jeu pour laisser quelque chose de très neutre, de très général pour avoir plus de précision et plus de pertinence au contraire. Hein. Des fois le fait d'enlever certains schémas, ça permet de faire quelque chose, un travail un petit peu plus précis. De plus, par rapport à ce jeu donc, qui devrait normalement être disponible courant de la semaine, donc là la semaine qui arrive, parce que là le jeu en lui-même est terminé, je suis juste en train de rajouter des petites choses, des petits détails qui vont pas me prendre très longtemps, et normalement je devrais proposer le jeu à MPC, je pense peut-être lundi ou mardi, je vais le proposer. Donc le temps que MPC valide le jeu et qu'il soit disponible sur ma boutique, je pense qu'il devrait être disponible peut-être mercredi ou jeudi, quelque chose comme ça, voilà. Donc moi je pourrais pas vous faire la review parce que j'ai pas encore le prototype entre les mains, donc dès que je l'ai fini je vais commander un exemplaire pour recevoir le prototype et bien sûr je ferai la review complète. J'ai aussi potentiellement prévu d'écrire un petit livre dessus, alors je sais pas si ce sera un livre parce que la forme de livre m'embête, mais je pense plutôt que ce sera des cartes qui seront incorporées dans le jeu, c'est-à-dire que le jeu sera composé de 88 cartes, comme l'oracle œil dans le noir de base, mais en plus vous aurez 4 cartes supplémentaires sur lesquelles vous allez trouver le nom des cartes avec les mots-clés, etc., etc. Je pense que ce sera plus pratique, et comme ça quand vous commanderez le jeu, vous saurez qu'il y a le petit entre guillemets guidebook qui va avec, voilà. Même si vous verrez, lorsque je vous présenterai le jeu est très intuitif, franchement, il peut vraiment s'accorder autant aux débutants qu'aux plus expérimentés, même aux plus expérimentés dans le sens où je vous ai prévu une surprise dans le soleil, vous verrez, pour ceux qui me suivent vous savez de quoi je parle, mais dans le soleil en fait vous allez trouver quelque chose qui va vous fournir des informations supplémentaires sur la carte et qui va vous permettre aussi d'apprendre une autre forme de divination. Bref, j'ai essayé d'allier plusieurs choses pour faire un jeu qui soit à la fois très simple, très accessible pour ceux qui débutent, mais qui soit très complet pour ceux qui sont plus expérimentés. Voilà, j'ai vraiment essayé de ravir tout le monde, et surtout c'est un jeu qui va me correspondre totalement puisque
que j'ai utilisé mes couleurs fétiches, à savoir le noir, le doré et le violet. Je trouve que l'association des trois, ça fait quelque chose tout de suite de très mystique, très spirituel. Je me suis inspiré un peu des cartes de Clos pour faire le jeu, donc ce qui fait qu'il y a toute cette énergie, tout cet amour que j'ai pour les cartes de Clos dedans. Il y a mes dessins, bien évidemment. J'ai changé la couleur de certains dessins pour mieux coller avec la thématique du jeu. Et voilà. Et je suis quand même vraiment plutôt content et plutôt satisfait de ce futur oracle. Enfin, c'est même pas vraiment un oracle, c'est une réédition. Bien que, comme je l'ai dit, il y aura des cartes en moins. Il y en a que j'ai supprimées. Par contre, il y en a d'autres que j'ai ajoutées. Il y en a même que j'ai créées de toutes pièces. Donc, j'ai envie de dire, c'est plus ou moins quand même un oracle. C'est une réédition, mais quand même, il y a des petits bonus supplémentaires dans celui-ci. Et surtout, j'ai eu une idée qui, je pense, vous allez adorer. Je vais vous faire... Alors, j'ai pas envie de vous en parler, j'ai pas envie de vous spoiler le truc, mais j'ai prévu en fait des vidéos qui seront une forme de série qui mettront en scène justement les cartes, façon un petit peu Card Captor Sakura. Alors, on sera pas dans quelque chose d'aussi enfantin, on sera dans quelque chose de beaucoup plus spirituel, beaucoup plus travaillé, et puis surtout beaucoup plus réel, hein. C'est-à-dire, ne vous attendez pas à avoir des super effets spéciaux et compagnie. Non, on sera quelque chose qui sera plus réel, plus calqué sur la vraie magie, comment utiliser, etc., etc. Mais voilà, je vous en dis pas plus. C'est une série que je vous prépare. Du coup, je vais avoir le temps de vous en préparer. En plus de des autres choses qu'il y aura, hein, puisque je vous ai prévu aussi des vidéos à type horreur, mais mettant en scène des choses réelles, comme par exemple, allez, je vais vous faire plaisir. Je vous ai prévu une vidéo film qui portera sur Annabelle. Alors, pas celle de Conjuring, mais la vraie Annabelle, c'est-à-dire la poupée Raggedy Ann, et on mettra en scène l'histoire vraie, pas l'histoire scénarisée d'Hollywood. Ce sera donc l'histoire vraie d'Annabelle selon les dossiers Warren, hein, donc ce sera avant tout pour casser un petit peu les clichés des films Hollywood et pour revenir à quelque chose qui est plus réel, plus concret, qui parlera mieux aux personnes, parce que malheureusement beaucoup, beaucoup, nous, moi le premier aussi, hein, on est un petit peu éduqué par Hollywood, par les séries, par les films, etc. et on a beaucoup de clichés autour de plein de choses. Et par conséquent, cette saga de vidéo-film aura pour but d'une part à titre pédagogique, c'est-à-dire vous apporter de vraies informations, ensuite vous faire peur mais dans le bon sens, c'est-à-dire pas juste de la peur gratuite mais vraiment vous montrer les risques potentiels de pratiquer telle ou telle chose, ce qui peut arriver derrière. Et puis bien sûr l'aspect aussi réel, hein, pour rétablir une forme de réalité, voilà. Mais je vous en dis pas plus, ça sera à découvrir, sachant que je vous ai prévu aussi plein d'autres choses, mais je vais pas tout vous révéler, ça sera à découvrir au fur et à mesure, surtout que maintenant, ben, concrètement, je vais avoir du temps pour pouvoir me consacrer pleinement à ma chaîne, à mes projets, ce qui ne me déplaît absolument pas, hein, comme je l'ai dit, bien au contraire, juste ce qui me fait peur, c'est l'aspect financier en fait. Parce que concrètement, voilà, bon, on va pas revenir sur le sujet. On va essayer de rester optimiste. Hein. Et puis voilà. Donc maintenant, les amis, pour les prochaines vidéos, dès que je vais parler de la maladie actuelle ou de la petite... hein, on va utiliser des codes, comme ça au moins on est sûr de pas être censuré. Donc ce que je vous propose, on va faire un petit clin d'œil à Charmed. Vous savez, quand Piper doit se marier avec Léo, elle n'a pas le droit de prononcer le mot mariage parce que les fondateurs les observent, etc., etc. Donc par conséquent, ils utilisent le mot de code rutabaga. Le rutabaga d'ailleurs, c'est un légume à la base, mais elle emploie le mot rutabaga pour parler du mariage. Bah ça tombe bien, nous la maladie commence par un M aussi, donc on va utiliser le mot, enfin moi j'utiliserai le mot rutabaga, et même vous dans les commentaires je vous invite à utiliser le mot rutabaga, comme ça au moins on prend pas de risque. C'est quand même triste d'en arriver là, hein. Bon bref, mais c'est marrant en même temps, c'est marrant, ça nous fait un petit challenge entre nous, des petits messages codés, hein. Comme ça si un jour je vous croise dans la rue, que vous me reconnaissez, vous me dites le mot rutabaga, tout de suite je me dirais, ah ça c'est un abonné. Ah, vous voyez, ça nous fait un petit nom de code comme ça entre nous. Donc, le mot rutabaga pour désigner la maladie actuelle. Et pour la petite, donc, hein, la petite, voilà. On va utiliser le mot, bah tiens, je l'ai devant les yeux. On va, en plus, ça y ressemble. Hein, ça, bon, ça ferait une grosse picouse quand même. on va utiliser le mot atamé. Comme ça, en plus, c'est assez logique. Hein, pourquoi pas couper un rutabaga avec l'atamé. Hein, ça semble assez cohérent. Ça peut parler à tout le monde en plus. Hein,
finalement la forme métaphorique est assez assez représentative et assez explicite. Donc vous le saurez, la maladie en ce moment, ça sera le mot rutabaga, et là, la petite picouse, ça sera le mot atamé. Voilà, comme ça au moins on va essayer de contourner le truc. Non mais je vous jure, j'en rigole, mais ça me fait pas rire quand même, parce que être censuré comme ça, c'est quand même incroyable quoi. C'est en 3 ans, je vous dis, c'est la première fois, j'ai jamais été bloqué ni sur Facebook ni sur Instagram, et pourtant vous me connaissez, j'ai pas ma langue dans ma poche, je dis les choses quand j'ai besoin de les dire, et j'ai jamais été bloqué, jamais, pas une seule fois hein, sur nulle part. Et là, quand j'ai vu la notification qui me disait violation de quoi il me parle, mais j'ai violé quoi, j'ai rien fait du tout j'ai juste exprimé mon sentiment que je ne voulais pas avoir la tamée, quand même. Bon, enfin bon, bref, on va pas évoquer le... Autre chose aussi de très important, je voudrais envoyer, et je pense même que ça fera l'objet d'un rituel ou enfin d'une vidéo, je sais pas, on va faire une vidéo à thématique. Je voudrais avoir une énorme pensée à tous nos amis belges pour ce qu'ils ont vécu, pour ce qu'ils traversent là, pour cette catastrophe qui est quand même très impressionnante. Alors j'ai pas eu le temps de tout voir dans les détails, avec le travail et tout ça, c'est vrai que j'ai vu en diagonale un peu ce qui s'était passé, mais rien que les images que j'ai vues, et c'était très impressionnant. Donc j'ai une énorme pensée, et nous avons tous une énorme pensée à nos amis belges, amis allemands aussi, puisqu'ils ont connu aussi des choses similaires. J'aimerais aussi envoyer tout plein de bonnes ondes à notre Soso international qui traverse une période un petit peu difficile, voilà. Mais ça va, vous inquiétez pas, ça va, n'allez pas l'inonder de messages, je vous en supplie. Là, elle se repose en ce moment, donc pareil, on lui envoie des tonnes d'énergie, on envoie des tonnes d'énergie, d'amour et de soutien à nos amis belges. Et puis, s'il y en a qui peuvent éventuellement, moi si je pouvais honnêtement, je le ferais, mais malheureusement, ça fait un petit peu loin la Belgique, et vu que je n'ai pas reçu l'atamé, je ne pourrais pas voyager. Donc du coup, si certains d'entre vous sont assez proches, si vous voulez aller les aider de façon concrète, n'hésitez pas, hein, voilà, qu'on essaye un petit peu de tous se mobiliser quand il y a une catastrophe, qu'on soit un petit peu tous unis. C'est ce qui manque en ce moment, je trouve, hein. Vous êtes d'accord avec moi, le d'être unis, hein, voilà. Bon, enfin bref, je vais pas en dire plus, je vais encore faire censurer la vidéo. Allez, sur ce, moi je vous fais tout plein de gros bisous. On se retrouve vite. Là, je vous ai prévu des vidéos, vous inquiétez pas, hein, je vais vous en faire. Et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Prenez bien soin de vous, les amis. Et puis voilà, et puis je vous embrasse, et puis je vous aime, et puis merci d'être là, et puis voilà.